Concernant le secteur énergétique et environnemental et l'environnement, le Parti communiste a pour perspective de nationaliser ce secteur, c'est-à-dire la mise sous contrôle public. Car nous ne croyons pas que c'est ni le marché capitaliste, ni les grandes entreprises qui vont solutionner le problème. En fait, concernant donc le secteur des sables bitumineux, cette industrie, nous croyons qu'il faut imposer un moratoire contre toute nouvelle perspective dans ce domaine, et ce, dans le but de fermer tout simplement ce secteur d'ici 5 ans, tout en garantissant les emplois qui sont liés et les salaires des travailleurs. Nous devons aussi compenser les peuples autochtones et leurs communautés qui ont été empoisonnées par les sables bitumineux. Ceci devrait aussi avoir voix au chapitre lorsqu'il s'agit de développement des ressources naturelles. Nous devons aussi avoir une législation beaucoup plus sévère concernant l'émission des gaz à effet de serre et soutenir une politique étrangère basée sur le développement durable. Donc en bref, l'approche fondamentale du Parti communiste sur l'environnement est là aussi de s'éloigner de la course au profit du capitalisme. Et donc voter communiste, c'est dire oui au peuple et à l'environnement, non au profit.